Football Club Union Africa de Bruxelles. Union Africa de Bruxelles est un club de football qui évolue en 4e provinciale de la division belge de football. C'est un événement historique, en tout cas pour la communauté africaine de Belgique, tant c'est une première depuis la création de la Fédération belge de football en 1830, qui est une équipe composée uniquement des Africains et surtout des Africains noirs, la communauté noire d'Afrique en tout cas, qui évolue dans cette équipe. Cela fait deux saisons déjà que cela se déroule. Nous n'allons pas nous y attarder, nous allons vous laisser entre les mains du secrétaire général de l'Union Africa qui va vous parler un peu de l'historique de ce club assez spécial. Je suis Louis-Noël Bolemen, le secrétaire général de l'équipe Union Africa qui est une équipe qui évolue actuellement en 4e provinciale de l'Union belge. Et nous évoluons ici depuis 2 ans. D'ailleurs, c'est notre deuxième saison. La deuxième saison se passe relativement bien par rapport à la première, où on a eu quand même beaucoup de difficultés, l'apprentissage, des erreurs de débutants, où on était un peu naïf par des erreurs parfois d'ordre administratif. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et ce que je voulais dire également, c'est que Union Africa n'est pas une équipe neuve. Union Africa, c'est un ensemble ou un groupe d'amis qui évolue depuis 1997 ou 98. On était des jeunes gens. Et on avait commencé au terrain du cinquantenaire à Etterbeek, où on se réunissait tous les dimanches, où un terrain nous était octroyé par la ville de Bruxelles, mais via l'école royale militaire. Et au fil des années, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Et on avait fait une demande pour disputer le championnat. La demande n'a pas été suivie, ne nous a pas été accordée le plus vite possible. Et nous avons été surpris il y a 2 ans d'être conviés par un des responsables, M. Rosens, qui s'occupe du recrutement des joueurs, des équipes nouvelles évoluant dans le championnat provincial, si on était justement intéressé à pouvoir participer au championnat. Et donc ce que nous avons accepté le plus rapidement possible, c'était un peu tard, mais nous avons donc tenu à participer à ce championnat. Et comme je vous disais au début, les débuts de ce championnat, c'était très très difficile. Je peux même encore pouvoir dire qu'aujourd'hui encore, nous avons toujours quelques petites difficultés ou quelques petits pièges où nous tombons, c'est-à-dire sur le plan parfois sportif, malheureusement, et administratif. Mais je crois qu'au fil des ans, si nous sommes encore en lice pour disputer ce championnat, eh bien, nous serons déjà un peu plus aguerris. Voilà un peu pour l'aspect de l'équipe. Ici le président Poli Matondo va vous présenter son effectif. Il le fait en tant que entraîneur parce que cette saison, lors de la mi-saison, l'équipe a vu son entraîneur démissionner. Donc là, le président a pris la relève juste pour pouvoir assurer les choses en attendant que la saison se termine. Donc il vous présente ses joueurs en tant qu'entraîneur. Chadak Nzinga. Lui, c'est Chadak Nzinga, c'est le vice-président de l'équipe. Il est aussi gardien. Donc, je suis avec Chadak, ça fait 10 ans dans cette équipe. Donc, nos gardiens titulaires, c'est lui, Chadak Nzinga. Monga Sugar,
c'est Monga Shuga. Donc, les bacs, on est avec Shuga, ça fait plus de 15 ans dans cette équipe. Quand on jouait au 59, donc Ulysse Agnol de tous les Congolais, Shuga, Monga. C'est bac droit. Dan Mbaye. C'est Dan Mbaye. Lui, ça c'est deuxième saison où on est avec Dan. Mais cette année, il est titulaire dans notre équipe, c'est milieu offensif. Donc notre jeune, il vient de Kinshasa. C'est Dan Mbaye. Olivier Ndouzi. C'est Olivier Ndouzi. L'avant-centre de Union Africa. Ça fait plus de 15 ans qu'on est avec Olivier. Donc, c'est des anciens de Union Africa. Ngambaï. C'est Ngambaï Mez. C'est bas gauche de l'équipe. Des fois, il est défenseur central. Donc, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, je suis avec mon jeune frère. Et les joueurs fair play de l'équipe. C'est Ngambaï. Ça, c'est Natiti. Eric, c'est l'un des joueurs titulaires de l'équipe. Il est vraiment polyvalent. Je l'ai utilisé dans tous les postes dans cette équipe. Il joue back, milieu défensif, des fois défenseur central. Donc, c'est Eric. Ça, c'est Dédé Tonton. C'est le grand frère d'Eric. Donc je suis avec lui aussi, ça fait plus de 15 ans que je le connais. C'est notre milieu offensif de l'équipe, donc c'est Dédé. Il était aussi TD, malgré tout, il a des boulots à faire. Le temps est un peu difficile pour lui, donc c'est notre TD aussi. Voilà. Ça c'est Matondo. C'est nos pasteurs de l'équipe, c'est le diacre. C'est le défenseur central. Lui aussi, c'est la même chose avec Eric. Je suis avec lui, ça fait 2 ans dans cette équipe. Donc, il est titulaire, polyvalent, il joue bien défensif, des fois back droit, back gauche et défenseur central. Ouais. Je vous présente Jonathan, mais il est sur Miwe. Ouais, donc, c'est Jonathan, c'est notre back gauche. Donc, les mignons garçons de l'équipe. C'est Enriquez, c'est le mignon de l'équipe. Donc, c'est mieux offensif de l'équipe. Ça fait plus de beaucoup de années, je le connais. Mais ça, c'est deuxième saison d'Aric dans cette équipe. Donc, notre mieux, il vient de blesser maintenant. Il va jouer les derniers matchs. Ça, c'est Mundeke, Harry. C'est nos bacs droits. Deux fois, je l'ai fait jouer au bac gauche. Ça, c'est Sergino. C'est les magnifiques de l'équipe. Donc, quand il monte, les défenseurs, il ne faut pas jouer avec lui. Donc, ça, c'est un ailier. Des fois, je l'ai fait jouer aussi au milieu. Donc, c'est les Camerounais de l'équipe. C'est Regino. Raoul, c'est Raoul. C'est aussi Camerounais. Donc, c'est l'un des milieux qu'on compte dans l'équipe de l'hygiène. Donc, il vient des Finlande. Il va signer ici cette année aussi. Ça, c'est Gigno, le chanteur de l'équipe. Donc, c'est numéro 10. C'est aussi milieu offensif. Il vient d'Afrique. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est ici. Donc, l'ancien joueur des Steel d'Isaïe. Il va signer cette année avec nous. Il va jouer. C'est numéro 10. Gigno. C'est Daniel Okomba. Donc, c'est l'un des piliers de l'équipe. Il est cadre dans cette équipe, comme je le présente toujours. C'est lui qui partage tous les messages de l'équipe. Si tu as besoin de communication ou information nécessaire pour l'équipe, c'est Daniel Okomba. Il est aussi bac droit dans cette équipe, il joue. Malgré son âge, mais il tient bon. C'est Marco Batanga, l'un des piliers de l'équipe. Donc, il est bac. Il est polyvalent, gardien. Cette année, on compte sur lui. On a compté sur lui. C'est
Gino Fayala, c'est le capitaine de l'équipe. Donc je suis avec Gino plusieurs années. Des années, on est avec Gino. On a travaillé avec Gino. Cette année, on a besoin des jeunes. Ils sont là pour l'année prochaine. Vous allez vous trouver au terrain, le plaisir de jouer, le plaisir de regarder les matchs. Ils sont là, donc présentez-vous. Moi, je m'appelle Isaac Biamba, je suis sud-africain. Je suis nouveau joueur. Merci. Bonsoir, je me présente Junior Da Silva Neves. Je suis défenseur central et je viens ici pour l'année prochaine. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. Je joue ailier gauche. Je vous présente Papi Litoki. C'est un ami. On est avec Papi, ça fait des années. On joue ensemble avec lui. Donc l'un des défenseurs centrales, les piliers de l'équipe. C'est le cadre aussi pour des jeunes. Donc il est là. C'est le bureau de l'équipe. Secrétaire général, Monsieur Louis Bolemen, va vous présenter la politique générale de recrutement, en tout cas, des joueurs au niveau de l'Union Africa. Il va parler également de l'aspect finance du club, des statuts des joueurs, sans oublier le regard que porte la communauté aussi bien africaine que les autochtones belges par rapport à cette équipe assez spéciale qui est composée pratiquement des joueurs étrangers, majoritairement d'origine congolaise. Il va aussi parler des objectifs de la saison prochaine et des questions liées aux assurances des joueurs. Écoutons Monsieur Louis Bolemen. Et pour ce qui concerne en fait le recrutement des joueurs, comme vous l'avez demandé, le recrutement des joueurs ne se fait pas sur des critères sévères. C'est-à-dire que si vous avez un joueur, bien que ce soit le nom soit baptisé Union Africa, tout le monde est le bienvenu. Marocain, Tunisien, nous avons même des joueurs de ressortissants, un ressortissant tunisien. Nous avons des Belges qui étaient là aussi, bon, mais qui sont partis. Tout le monde est le bienvenu à Union Africa. Et nous demandons tout simplement aux joueurs d'être attentifs et de suivre les recommandations qui sont éditées par notre règlement d'ordre intérieur. Et pour des joueurs qui sont peut-être talentueux et dont les problèmes administratifs sont encore une préoccupation pour eux, eh bien, nous leur demandons tout simplement de ne pas se décourager, de venir toujours s'entraîner en attendant que leur situation puisse être régularisée. Et nous demandons également une petite quote-part, c'est-à-dire une petite cotisation que nous organisons pour pouvoir nous permettre d'assurer quelques frais concernant, disons, les frais d'arbitre, la location du terrain, tout ce qui peut être inhérent au fonctionnement d'une équipe. Voilà, donc on n'est pas encore pour les subventions n'ont pas encore ne sont pas assez suffisants, parce que les seules subventions que nous avons, c'est des subventions émanant de la ville de Bruxelles. Donc pour une première fois, nous avons eu 1 000 000 €, et pour l'année dernière, nous avons eu 2 000 €. Et vous savez, donc 2 000 € avec cette somme-là, c'est pas assez évident pour pouvoir couvrir tous les frais qui sont à notre charge. Mais pour vous dire, c'est vraiment difficile, les sponsors ne suivent pas. Donc on est vraiment, on fonctionne en autogestion. C'est-à-dire que les responsables dont je fais partie, nous payons parfois de notre poche pour pouvoir tenir. Mais les statuts des joueurs, tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole, puisque les dirigeants qui sont polis, qui est le président, moi le secrétaire, parfois, nous essayons de mettre la main à la poche pour pouvoir au moins subvenir aux besoins de l'équipe. Parce que nous ne comptons pas beaucoup sur les joueurs eux-mêmes. Parce que bon, nous avons déjà des joueurs qui
certains joueurs qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. Et nous voulons donc, par là, leur donner quand même une chance, peut-être de pouvoir éclore et pourquoi pas rejoindre une équipe beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, nous évoluons comme ça. Bon, si on demande aux joueurs de cotiser, bon, ce ne sera pas une raison pour nous, s'ils ne cotisent pas, de lui demander de partir. Voilà. Donc, c'est le bénévolat vraiment de haut en bas. Écoutez, comme dans toute organisation où vous avez des grands et des petits, il y a parfois un regard assez curieux. On se demande comment est-ce qu'on fait, comment on s'en sort. Mais au début, c'était quand même ils étaient assez enthousiastes. On nous regardait quand même curieusement l'année dernière. Mais je crois que depuis cette année, où nous avons quand même engrangé pas mal de bons résultats, eh bien, on commence déjà un peu à nous respecter. Pour ça, je ne pense pas qu'on puisse nous traiter de, je sais pas, ou de communautaristes ou des gens qui jouent entre eux. Vous savez, dans ce championnat, surtout le championnat de basse classe, si je puis dire, 4e, 3e, vous avez des équipes ici qui s'appellent Kosovo, les équipes de Kosovo, vous avez des équipes espagnoles, vous ne trouvez que des Espagnols. Donc, on ne va pas accuser ces personnes d'être seulement entre eux, hein, vous comprenez. Donc, vous avez même des équipes qui s'appellent Polonia. Bon, vous n'avez que des Polonais du goal jusqu'à l'attaque. Donc, c'est d'ailleurs eux qui sont aujourd'hui à la tête du championnat, pour ce qui nous concerne. Donc, pour nous, ça nous dérange pas. Écoutez... Au début, c'était une question de garder la forme. Mais on s'est dit, mais s'il faut garder la forme et aller un peu plus loin, pourquoi pas? Parce que ce serait aussi enthousiasmant pour les personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, les vieux, de pouvoir évoluer en division supérieure. Donc au début, c'était, on va s'amuser, mais après, on s'est dit, non, pourquoi pas? On peut viser aussi un peu plus haut. Donc, les objectifs ont changé. L'objectif est, pourquoi pas, d'arriver, pourquoi pas, en D1. Il ne faut jamais désespérer. Hein. Il est permis de rêver. Il y a un contrat qui lie les joueurs au club, certes. C'est-à-dire que chaque personne qui vient est censée avoir signé un contrat, hein, qui le lie au club. Bon, alors, ceci dit, si ce joueur désire évoluer dans une autre équipe l'année suivante, il prendra des mesures, ou du moins il va remplir les conditions pour être libéré, donc pour partir. Pas encore, pour peu que je sache, pas encore. Mais chez les plus petits, puisque Union Africa, c'est aussi, vous avez des U15, des U13, des U12. Là par contre, on a des équipes adverses ou des autres équipes qui souhaitent avoir certains joueurs émanant du club Union Africa, chez les plus petits, oui. Donc, en dehors de l'équipe première, il y a d'autres équipes, oui, plus bas, oui. Oui, c'est Union Africa, mais junior. Là, c'est comme senior, voilà. Donc, voilà. Ici, on a l'équipe première, et ensuite, donc, nous avons donc les équipes où des jeunes gens avec des bas âges évoluent toujours dans le championnat. Pour l'année prochaine, l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que si on veut avoir des ambitions, il faut se donner des moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même deux bons attaquants, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Bon, monsieur, vous avez Boula et vous avez deux autres joueurs. Monsieur Boula, qui avait déjà évolué auparavant en première division ici, et c'est eux qui essayent un peu de nous booster, et que cette année encore, nous avons d'autres nouveaux des joueurs qui ont évolué dans d'autres équipes qui vont rejoindre le groupe. Donc pour nous, c'est que pour l'année prochaine, il faut déjà que nous puissions, déjà pour une troisième participation à ce championnat, nous n'allons quand même pas rester ou demeurer en 4e provinciale.
on aimerait quand même monter un peu plus haut, ne serait-ce qu'en troisième. Donc, franchement, pour l'année prochaine, nous essayons maintenant d'essayer de viser la troisième provinciale. Les assurances c'est-à-dire que les assurances, c'est facile. Hein, c'est-à-dire que chaque joueur évoluant dans une équipe qui dispute le championnat, dans un championnat quelconque de l'Union belge, eh bien, chaque joueur qui est donc inscrit dans un club, eh bien, ce joueur est assuré par l'Union belge. Il est assuré par l'Union belge. Donc, pour ça, si jamais il a une blessure, etc., nous remplissons un formulaire qu'il va apporter à son médecin traitant ou à l'hôpital ou dans un centre hospitalier où il va se rendre. Eh bien, ils vont signer ce document. Eh bien, par ce document, il recevra les soins jusqu'à son rétablissement. Donc, ils sont assurés et ils sont assurés pour ce genre de problème. Quoi. Ouais. Donc, ils ne sont pas laissés à l'abandon s'il y a des blessures, etc. Quoi. Justement, tout à l'heure, le secrétaire général parlait du problème d'assurance. L'Union Africa a connu justement ce cas-là lors du dernier match où il y a eu un accident sur le terrain et les joueurs a tout de suite été pris en charge. Tout cela parce que l'équipe est assurée tant au niveau de la fédération qu'au niveau des assurances privées. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Donc les joueurs qui pourraient avoir des doutes par rapport à la prise en charge, soins de santé en cas d'accident sur le terrain, ben, ils peuvent voir, constater de même à travers ces images que la prise en charge, elle est immédiate et elle est quasiment assurée. Quoi. Des joueurs aguerris qui ont atterri dans l'Union Africa, qui se sont sacrifiés pour le besoin de la cause. Ils ont quitté des clubs beaucoup plus importants pour venir rejoindre la communauté, en tout cas pour apporter leur savoir-faire. Le cas notamment de Freddy Boula qui a quitté une équipe de 2e division pour venir jouer à une équipe des 4e provinciale. Si vous pouvez imaginer le degré de sacrifice, mais il y a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, il est sorti meilleur buteur cette saison. C'est là juste pour pouvoir aider un peu les jeunes qui hésitent, qui ne voudraient pas venir s'aventurer dans une affaire qui concernerait que les grandes personnes, les adultes. Mais voilà, Freddy Boula est là. Il peut être en même temps joueur, en même temps encadreur des jeunes qui ont besoin de ces expériences. Je m'appelle Freddy Boula, que tout le monde connaît. J'ai joué un peu dans beaucoup de clubs ici en Belgique. Donc voilà, je suis venu un peu à l'Union Africa pour donner un coup de main. C'est une équipe que je connais très très bien. Et puis c'est des amis quoi. Donc c'est comme nous sommes en famille ici. Hein. Donc avant on était une équipe de loisirs. On jouait juste, on n'avait pas des ambitions de demander la licence à la fédération pour être dans la compétition. Mais aujourd'hui, on a la licence. C'est la deuxième année qu'ils jouent en 4e provinciale. Et l'année passée, je venais beaucoup souvent voir des matchs. Et par rapport à l'année passée, et cette année vraiment, il y a vraiment la différence. Parce qu'on a 2, 3, 4 bons joueurs qui sont venus dans le club. Et que vraiment, même si vous voyez beaucoup de matchs qu'on a gagnés et tout, même dans le classement, l'année passée, ils n'étaient même pas dans ces positions-là. Ce qui m'a motivé plus, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est vraiment, c'est comme la famille, quoi. Tu vois, c'est des amis que je connais, ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans que je connais.
Et puis pendant les vacances, j'ai joué souvent avec eux, comme des matchs de loisirs, quoi. Pendant les vacances de... après les championnats, tu vois. Et j'avais un club de football qu'on était dans le 4e national, donc c'est-à-dire promotion. Donc on venait de monter de division 3. Et comme j'ai été blessé, et puis je suis resté un peu longtemps à la maison avec la blessure, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas d'en profiter un peu de donner un coup de main à mes potes. Ils avaient aussi besoin de moi, et pourquoi pas de jouer même une saison pour montrer un peu de quoi je suis capable, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans cette club. Je crois qu'il y a des témoins, même des joueurs, même quand tu vois des matchs qu'ils ont gagnés, j'ai fait partie de tous les matchs. Je crois que j'ai plus de 32 buts déjà marqués dans cette club. Et j'ai joué quoi? J'ai joué pas beaucoup de matchs, mais j'ai plus de 32 goals à marquer. Et puis voilà, on a gagné des équipes les plus fortes dans le championnat. On a gagné le 3e, le 4e et tout et tout. Sauf que bon, c'est un club, comme il vient de commencer en P4, et il faut toujours, ça demande le temps pour essayer de bien s'intégrer dans la série. Et puis on verra la suite, quoi. Et là on verra, on essaie un peu de discuter. Parce que vous voyez, dans un club de football, on a souvent besoin des sponsors, on a souvent besoin de tout le monde. Souvent on a besoin de beaucoup de jeunes qui sont un peu sans club. On voit beaucoup de jeunes un peu partout, surtout des Africains. Il n'y a pas assez de clubs ici à Bruxelles qui essaient un peu de former certaines jeunes. Et je vois que quand tu vois chez le I-15 ou le plus bas et tout, de 10 ans ou quoi, on voit qu'il y a une équipe qui est un peu faite, et puis voilà, qu'on progresse un peu petit à petit. Non, parce que c'est un club, d'abord, on appelle ça Union africaine. Union africaine, ça ne demande pas que des Africains. Donc, c'est-à-dire même un Blanc, un Marocain, soyez les bienvenus. Vous voyez, donc c'est ça. Mais juste les noms qu'on a donnés. Mais moi, depuis que je suis ici en Europe, j'ai fréquenté aussi beaucoup de pays. Je n'ai jamais vu une équipe africaine dans la Syrie ou dans un championnat de blanc ici en Europe. Mais vraiment, c'est la première fois. Vraiment, je trouve que c'est une bonne opportunité pour certains joueurs africains. Ici, tu es chez toi. Tu peux parler dans n'importe quelle langue que tu veux. Tu peux parler à Lingala. Tu sens vraiment que tu es chez toi. Vous voyez, mais on voit souvent dans cette série, il y a des équipes polonaises, il y a des équipes kosovares, il y a des équipes marocaines. Et pourquoi pas avoir une équipe congolaise? Vous voyez, donc ça fait du bien, tout le monde parle à Lingala et tout. Vraiment, la plupart des matchs qu'on a fait, il y a des équipes, il y a des équipes qui sont étonnées de voir une équipe africaine aussi qui fait partie de ce championnat belge et tout. Vous voyez, donc vraiment, ça fait plaisir. Le capitaine Junior Fariala, lui, il va vous parler de situations vécues, des cas concrets, des difficultés rencontrées tout au long de cette deuxième saison. Il a été pour toutes les situations du début à la fin. Il a connu pas mal de choses. Vous savez, dans l'Union africaine, ben, pas mal des joueurs sont à la fois joueurs et comité. Et lui, il fait partie du comité. Il est capitaine, donc il a connu toutes les situations difficiles du club. Donc, il est bien chargé pour bien vous parler des situations que lui a vécues et que toute l'équipe a vécues durant cette deuxième saison. Ben, la saison a commencé à débuter en juillet, mi-juillet. On a eu une préparation. On avait des problèmes du point de vue matériel et infrastructure sportive parce qu'on n'avait pas de terrain dès le début. Alors on a dû faire une préparation dans un parc, dans un bois. On a fait une préparation où ça nous a pris 2-3 semaines. Et après, on a fait des démarches pour pouvoir trouver un terrain auquel on allait faire une préparation. C'est le terrain ici que vous voyez, c'est les infrastructures de la STIB. C'est les infrastructures de la STIB. Et donc la saison a bien commencé. Dans les 5 premières journées, on a été dans les 3 premiers même. Et après, on a eu un problème de coach où l'équipe a été un peu instable et puis on a commencé à perdre nos places petit à petit jusqu'à la fin où on se retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très difficile, surtout notre communauté. Ce qui est bien, c'est que c'est une très bonne idée le fait qu'on a créé une équipe où il y a les Africains et tout le monde essaie de se retrouver. La plupart des gens qui ont joué ici, ils ont été dans les clubs européens, dans les clubs belges ou européens. Oui, c'est vrai. Dans les clubs belges. Et c'est pas toujours facile quand tu dois t'intégrer dans un milieu où il n'y a que des Européens, dans une équipe où il y a
peut-être une vingtaine des autochtones, alors que tu es le seul étranger, c'est pas facile. Mais le fait d'avoir créé Union Africa a permis à tous ces gens qui n'avaient plus envie de jouer de venir se retrouver. Donc c'est comme une famille, quoi. Donc c'est pour dire que les gens, ils visent plus les problèmes financiers. Ils préfèrent venir ici, s'amuser. Et... Bon, quand je dis s'amuser dans le bon sens, hein, faire du sport avec une bonne ambiance. Donc financièrement, c'est difficile, mais les gens, ils sont quand même assez disciplinés pour ça. C'est une très bonne question. Personnellement, je ne sais pas encore ce qui va se passer durant ma carrière. Mais j'ai beaucoup investi dans cette équipe, donc je me suis donné à fond pour que j'ai participé pour qu'on ait aujourd'hui cette équipe. Malgré qu'il y a 2 ans, je jouais encore dans un club en promotion où j'étais bien payé. Bon, bien payé, je peux dire. J'ai dû abandonner ce club pour venir donner un coup de main ici, apporter un peu d'expérience ici. Et j'ai du mal, je peux dire que j'ai envie de partir parce que j'ai des sollicitations à gauche, à droite. Je peux partir, mais j'ai l'impression d'abandonner ce que j'ai contribué. Aujourd'hui, c'était le dernier entraînement. Je suis très content parce que c'est depuis juillet qu'on s'entraîne. Les objectifs pour la saison prochaine, moi personnellement, je reste dans le club en tant que capitaine. J'ai une très grande responsabilité de gérer plus de 50 joueurs affiliés, surtout des Congolais. Et donc je me suis fixé l'objectif de la saison prochaine de pouvoir continuer à être capitaine et préparer la saison 2016-2017. Lui, c'est Dan Baya, c'est le cadet de l'Union Africa, les joueurs de l'Union Africa. Comme vous pouvez les constater, on a vu dans l'Union Africa des joueurs qui ont 47 ans, en tout cas pour le plus vieux, et les tout jeunes, le cadet, c'est bien Dan qui a 17 ans et qui a accepté de venir rejoindre le football club Union Africa. Il va vous parler de l'encadrement qu'il a reçu et de la manière dont il voit les choses selon lui. C'est vraiment un cadre idéal pour les jeunes qui veulent se lancer dans le football. On peut déjà commencer avec l'Union Africa et à l'Union Africa, c'est un miroir qui permet à ce que les jeunes puissent être vus, puissent être abordés par d'autres clubs beaucoup plus influents que l'Union Africa. Suivant Dan Baya. C'est ma première saison, ça. Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer, vous êtes le plus jeune dans cette équipe, de jouer avec le plus grand qui vous, ça vous fait quoi? Ça me motive, ça me donne encore plus d'expérience par rapport à des autres, parce que les autres ils sont plus grands que moi, ils jouaient déjà, et moi j'ai rien deviné, j'ai prendre par rapport à eux. Et quels sont vos objectifs personnels? Est-ce que vous voulez rester dans cette équipe ou dans les années à venir trouver une autre équipe plus... Oui, je vais rester ici. Je vais faire plus de 3 ans ou 4 ans, je vais rester ici. Après, par rapport, je vais regarder mon avenir, comment je peux avoir. L'une des difficultés connues, en tout cas par le football club Union Africa, c'est un peu l'indiscipline entre les membres, les disciplines envers les joueurs, envers le comité. L'Union Africa a perdu pas mal de points comme ça, de points qu'il aurait pu utiliser pour sa montée, hein, parce que l'Union Africa est sortie 8e lors de cette dernière saison. Mais sur papier, il y a entre 10 et 15 points qui ont été retranchés comme ça à cause de l'indiscipline, à cause de retard, à cause des feuilles de match mal remplies. Donc c'est toutes ces situations-là que le président Poli voudrait voir s'améliorer lors de la saison prochaine 2016-2017. Les entraînements, franchement, avant on trouvait ça, c'était facile, mais ce n'est pas facile. Surtout nous les Africains. D'abord, le respect, il n'y a pas de respect d'air. Il y a des joueurs qui viennent en retard de 30-40 minutes. Mais il sait comme on a besoin d'eux, il fait ses esprits. Ce n'est pas vraiment facile. C'est ça, moi je demande aux joueurs pour l'année prochaine. Et il doit être quand même responsable. Parce que cette année, on a raté de monter à cause d'eux. Parce qu'on a perdu les 5 premiers matchs des phases retour à cause des disciplines.
Bon, les entraînements, ce n'est pas vraiment facile. On a des difficultés, surtout au niveau du matériel, mais on vit en Europe. Au niveau financier, on a des difficultés. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Voilà, ici on est dans les vestiaires, c'est le moment très 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 capital où chacun quitte chez soi pour venir rejoindre l'équipe. C'est vraiment un endroit où le stress, les joueurs se déstressent parce que bon voilà, chacun a son stress, mais à partir du moment où tous les joueurs se retrouvent ensemble, on se partage, on rigole, on se raconte des blagues. En même temps, on reste concentré pour le match qui arrive. Donc voilà, on voit les joueurs s'habiller. Et l'étape qui suit, c'est le contrôle des officiels. Parce que vous savez qu'il faut respecter la feuille du match telle que remplie par les deux équipes. Et il y a les officiels de l'Union Belge qui vont vérifier les cartes d'identité, le visage. C'est un peu comme à l'immigration. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait des joueurs qui jouent sous une autre identité ou qui fraudent tout simplement. Donc là, on est dans l'ambiance avant le match, dans les vestiaires. Mais nous voulons quand même déplorer le fait que lors de ce contrôle des officiels de l'Union Belge, il y a des joueurs qui ont été cités, qui se trouvent sur la feuille du match, mais qui n'étaient pas là, alors que l'officiel de l'Union Belge avait fait appel à lui pour le contrôle. Donc, c'est un peu pour revenir à la discipline dont le président Poli Matondo parlait il y a quelques instants, justement par rapport au respect de la discipline au niveau de l'équipe. Donc, les joueurs devraient, en tout cas, avoir cet esprit-là de se mobiliser dès lors qu'il y a un signal qui est donné, de telle sorte qu'on puisse donner une image d'être en groupe, d'être ensemble et pas que chacun vienne quand bon lui semble. Oula, mesure 18, ami 19, numéro 20, vous donnez le nom quand j'appelle. Numéro 3, on est chez les remplaçants maintenant. Numéro 3. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Vous avez quelqu'un sur pas d'identité, il est là. Oui, qui ça? Numéro 3, oui. Oui, Jérico. Il est bien inscrit. Merci. Il est sur la liste. C'est lui qui est là. Non, d'accord. Oui, non. Boula. Oui, ça c'est Boula, numéro 18. Okay. On va continuer, numéro 8. C'est bien. Oui, la réserve. Okay, numéro 8, c'est bon. Numéro 8. Numéro 9, c'est qu'à celui-là. Donnez votre nom. Numéro 9, ça va. Tu donnes le nom. Tu donnes le nom. Le nom. Numéro 15, enfin. Tu donnes le nom. Oui, il y a besoin. Ici, vous avez l'image du dernier match de la saison qu'a livré l'Union Africa contre le VK Berkem. Pour rappel, le VK Berkem était 5e au classement lors de ces matchs et l'Union Africa était 6e. Donc c'était un match assez délicat à partir du moment où l'Union Africa n'a jamais pu battre Berkem déjà la saison dernière. Et cette saison, au match aller, Berkem avait gagné de 2 buts à 1 à Berkem. Et là, l'Union Africa essaye de tirer sa revanche lors de ses derniers matchs du championnat. Vous allez voir dans les extraits qui suivent les réactions des joueurs de l'Union Africa et des quelques membres du VK Berkem, notamment l'entraîneur de Berkem. Ça a joué, c'est juste qu'on n'était pas en place, plus ou moins. Ben là, après 35 minutes, on a commencé à revenir et rentrer dans le match. Bon, c'est souvent le problème avec nous. Hein. On doit prendre toujours du temps pour rentrer dans un match. Qu'est-ce que vous a manqué?
Comment dire, la combativité, on va dire. On y croit, on veut gagner ce match, on va le gagner. Donc on va pousser pour faire quelque chose. Oui, la première partie était un peu difficile. On n'est pas rentré tout de suite dans le match. Bon, voilà, c'est un peu la consigne qui avait été donnée avant la fin du match, qu'on regarde un peu voir venir les adversaires. Ben, on a vu. Bon, ça n'a pas beaucoup payé. Bon, de toute façon, on a encaissé deux bêtes goals, dont le premier sur coup franc. Mais bon, vous avez vu qu'on a essayé quand même de se réveiller et de remonter sur la surface. Donc là, on va pouvoir faire mieux la seconde période. Et s'il a changé, qu'est-ce qu'il peut changer pour... Là maintenant, non, je ne vois pas grand-chose. On a vu que l'attitude des joueurs a changé dès lors qu'ils ont encaissé deux goals. Donc ils sont rentrés dans le match. Donc je pense qu'on peut continuer comme ça et puis on verra. Pour l'instant, on manque de réalisme. Il n'y a pas assez de joueurs. J'avais convoqué un certain joueur, ils ne sont pas là. Vous savez, ici en Europe, il y a trop d'occupations. On compte sur les gens qui sont ici. Je sais que ce match, on va gagner. Et qu'est-ce que vous avez changé sur le plan tactique? Sur le plan tactique, j'ai changé. Il y a un défenseur central, je l'ai fait sortir pour faire entrer l'autre milieu. Les milieux défensifs, je les fais jouer comme défenseur central. Bon, les systèmes, c'est les mêmes systèmes que j'ai joué avec eux. Parce que je l'attends en contre-attaque parce qu'il fait un peu jouer, il joue un peu comme mini-foot. Je sais que non, ça va changer. Ah oui, c'est bien sûr. Bien sûr, on va gagner. Je sais. Comment vous trouvez votre adversaire? Typiquement africain, donc ils aiment bien jouer au ballon, donc ils sont forts, assez forts physiquement. Ils y vont. Et disons que je crois que c'est une équipe qui pourrait être complétée par 2-3 éléments qui pourraient faire mal en 4e provincial. Et vous pensez garder ce score? Normalement, le score a déjà dû être un peu plus élevé pour nous, vu les occasions manquées. Mais j'espère évidemment gagner, mais ce n'est pas du tout cuit parce que j'ai une équipe qui est assez spéciale dans ce sens-là. C'est qu'on a l'habitude de ne pas marquer nos occasions et pour finir se faire surprendre. Donc j'espère que Union Africa ne va pas en profiter. La seconde partie, on a dû enlever un élément au milieu de terrain parce qu'il était blessé. Et donc, mais ça n'a rien changé au bloc équipe, ça reste le même bloc équipe d'habitude. Quoi. Et au niveau du classement, vous êtes quatrième? On espère bientôt être quatrième, mais pour le moment on est cinquième. Quoi. Et si on gagnait aujourd'hui, je crois qu'on pouvait passer quatrième. Et il vous reste combien de matchs? C'est notre dernier match aujourd'hui. Merci. Voilà. Mais avec l'équipe qui pour moi c'était un échec parce qu'avec l'équipe qu'on avait à disposition on aurait dû faire mieux que la 4e ou la 5e place. On a joué contre tous les premiers et on a chaque fois soit gagné, soit on n'a pas été battu, on a juste été battu par Etterbeek. Et donc après on a perdu à Bruxelles City la semaine passée, mais bon disons il y a 15 jours, mais disons que bon c'était un match à ne pas perdre, mais on n'était pas vraiment un effectif complet. Donc je crois que ça a joué fortement contre nous en deuxième mi-temps parce que nous menions 1-2 là-bas et pour finir on est battu 6-3. Mais dans la globalité, pour moi c'était un échec parce qu'avec le talent qu'il y avait à disposition ici cette année, on devait faire mieux que la 4e place. Et donc on a très mal entamé les débats, on a commencé par un 12 sur 30 et disons qu'après on a couru chaque fois après le score et après les adversaires pour essayer de remonter, mais c'était pas évident. Quoi. Et à certains moments du championnat, on n'était pas assez régulier que pour obtenir mieux que cette 4e, 5e place. C'est ce que je viens de dire, typiquement africaine dans le sens que c'est des garçons, on voit qu'ils sont tous des bons manieurs de ballon. Moi je crois que c'est juste un petit peu peut-être qu'ils devraient plus écouter les consignes du coach parce que parfois ils sont trop attirés par ce ballon et ils devraient plus garder leur position. Mais je crois que si on met un petit peu de rigueur tactique dans une équipe pareille, on peut faire des très très bons résultats. On va arriver quatrième. Maintenant, on ne sait pas si c'est les trois ou les quatre premiers qui montent. Donc ça, on va voir comment ça va évoluer. Mais l'année prochaine, je ne sais pas encore moi personnellement ce que je vais faire. Mais voilà, bon, je suis content d'avoir pu terminer cette saison ici au VK Berkem. Ça fait quand même depuis 6-7 ans que je joue ici. Donc voilà, je voulais quand même remercier aussi Patrick Wanneg, le coach, qui a fait un travail remarquable. Malgré la défaite, nous
pouvons voir à travers ces images que l'ambiance est toujours bon enfant et tout le monde met la main dans la pâte, comme ici à l'image du président, du vice-président et gardien Shadrack Nzinga, qui est en train de ranger les maillots alors qu'il n'a pas joué et pendant que les autres joueurs sont en train de se laver, de se rhabiller. Donc voilà, vous allez voir que malgré la défaite, en tout cas, l'union est là, l'ambiance est là et l'entente est là et surtout la solidarité entre tous les joueurs. Vous allez voir dans les extraits qui suivent quelques réactions des joueurs qui ont participé dans le match. Le match, malgré la défaite, on est quand même content. Personnellement, c'est mon premier match qui est l'ultime journée aussi de la saison. Sur le plan personnel, je suis satisfait de mes performances. Il faudrait encore beaucoup de matchs pour retrouver la forme. Et voilà, dans l'ensemble, ça a été malgré la défaite et quelques blessures que nous avons eues au sein de notre équipe. Bon, c'est question de temps aussi, je ne m'entraînais pas régulièrement. Et bon, avec d'autres occupations, des activités en dehors de l'équipe, c'était un peu difficile. Mais bon, la saison prochaine, j'espère que j'aurai plus de temps d'entraînement et disputer plus de matchs. Comme on dit, plus de peur que de mal. C'est vrai que j'ai eu très mal, il m'a touché à la cheville. Et j'ai préféré sortir pour reposer les pieds. Et là, la douleur est passée parce que j'ai reçu un antidouleur. Donc ça va. Pour l'instant, ça va mieux. Là, déjà un projet sur la saison prochaine. Quelles seraient vos ambitions personnelles Personnellement, comme j'ai dit il y a une minute, jouer plus des matchs et marquer beaucoup de goals parce que je suis quand même l'avant-centre de l'équipe. Et au niveau de l'équipe, l'objectif qui est fixé, c'est la montée en P3 et on va encore essayer d'en discuter et on s'entraînera pour ça. Donc il y a moyen. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres joueurs qui sont plus en activité Ceux qui ne sont plus en activité. Qui sont à la recherche peut-être d'un club Ils peuvent toujours nous rejoindre hein, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de volonté. Nous, on joue, malgré l'âge qui est avancé, on continue de jouer, non seulement pour entretenir la santé et la ligne, mais aussi pour les plaisirs du sport que nous aimons tous, le football. Donc voilà. Écoutez, c'est le foot, c'est comme ça. On est 11 sur le terrain, on a perdu aussi à 11. Donc ce qui manquait, manquait peut-être bien une motivation vraiment... surtout les joueurs, mais bon, tout ça c'est encore à travailler. Hein. On a fini la saison, là c'était notre dernier match, bien que on a terminé la saison par une défaite. Mais tout ça, ça devrait nous aider, hein, à nous améliorer pour la saison prochaine. On a beaucoup de jeunes comme vous l'avez bien vu, donc c'est à eux maintenant. De prendre le flambeau pour continuer et aller plus haut. Voilà, on a perdu notre dernier match. Bon, on en a aussi gagné beaucoup, hein, ça, c'est sûr, parce qu'on n'a pas fini dernier. On n'a pas fini. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Donc là, on a terminé la saison à une bonne position. Et là, on a perdu face à une équipe, il faut le reconnaître, ils étaient sur le terrain meilleurs. Donc, on a commis beaucoup de fautes. Tout ça, on va le travailler pour changer et être encore beaucoup plus meilleur pour la saison prochaine. Vous avez un mot à lancer aux potentiels sponsors ou des hommes de bonne volonté qui peuvent venir en aide? C'est de leur dire que c'est peut-être le moyen qui peut peut-être nous permettre de nous booster encore un peu plus dans notre ambition ou dans l'évolution
qui est la nôtre, évolution de Union Africa. C'est vrai que les moyens vraiment nous manquent absolument, parce que nous devons toujours essayer de boucher les trous. C'est un peu stressant aussi. Quand un joueur est parfois blessé, il faut l'assister aussi financièrement. Et ça, c'est un peu difficile. Donc, si vraiment les sponsors sont là, je crois que là, à ce moment, les joueurs vont être beaucoup plus galvanisés dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est vrai que bon, si on apprend que Union Africa, bon, c'est une équipe bon, qui se cherche ou qui tire le diable par la queue, je ne pense pas que nous puissions évoluer tel que nous le voulons. Nous avons constaté tout au long de ce document que l'Union Africa est une équipe qui a encore besoin de pas mal de choses. Bien sûr, il y a des choses qu'ils doivent améliorer au niveau de leur organisation, de leur discipline, mais ils ont vraiment besoin de soutien. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin que vous veniez leur apporter tout ce que vous pouvez, que ce soit sur le plan matériel, que sur le plan moral ou sur le plan technique, tout simplement. Vous êtes informaticien, vous pouvez apporter quelque chose, tant mieux. Vous êtes parent, vous avez un enfant ou des enfants qui voudraient rejoindre l'Union Africa, n'hésitez pas. Nous vous informons également que l'Union Africa a des équipes de jeunes à partir des 6 ans. Donc, vous êtes les bienvenus pour amener vos enfants pour qu'ils viennent enfin jouer avec leurs grands frères, leurs tontons. C'est vraiment un cadre idéal pour eux d'évoluer dans les traditions qui sont les nôtres. Donc, nous vous prions vraiment de bien vouloir venir apporter tout ce que vous pouvez apporter pour ces clubs qui n'a que 2 ans, en tout cas officiellement. Donc voilà, c'est un mot en tout cas pour vous, chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez apporter tout ce que vous pouvez. C'est une équipe de la communauté, ce n'est pas une équipe appartenant uniquement aux joueurs ou membres de l'Union Africa, mais c'est une équipe de la communauté. C'est la toute première fois depuis que l'Union, la Fédération belge de football existe, qui est une équipe d'origine africaine qui se présente en tout cas en compétition. Donc c'est vraiment une occasion historique pour nous de faire les choses de manière à ce que nous puissions nous distinguer, en tout cas à travers, ne serait-ce qu'à travers le sport que nos amis de l'Union Africa nous proposent.